Bonjour à tous, bienvenue dans ce 7 Actu, voici nos titres. Vous avez des souvenirs de Maupassant Barban, La Fontaine Intello. Marie Lemonnier va vous faire oublier tout ça et faire frissonner votre imagination avec Les Lettres Gourmandes, une pièce de théâtre coquine sur les planches de la MJC de Noisiel samedi. Dans tous les coins, il se faufile, et je crois même qu'il le sent. C'est une séductrice, une femme au foyer, une nonne ou encore une comtesse. Voici Mademoiselle Clotilde, interprétée par Marie Lemonnier. Seule sur scène pendant 1h30, elle incarne toutes les femmes. Dans ce spectacle, elle lit et chante des textes du 18e et du 19e siècle. Vous reconnaîtrez Maupassant, La Fontaine et d'autres bien plus surprenants. Des textes écrits par des hommes. En fait, je ne les connaissais pas, ces textes, avant, et ces chansons non plus. Brassens, c'est des chansons que je connaissais pas, qu'on ne connaît pas comme ça. Donc, il a valu vraiment que j'aille chercher des contes grivois et des chansons dites gourmandes. J'en ai écouté plein pour pas que ça soit trop coquin, pour pas que ça soit trop gnangnan. Des histoires d'amour, des histoires de lit, frivoles ou coquines, le spectateur devant y retrouve un peu de son vécu et de ses souvenirs. Marie Lemonnier est bien connue des latiniaciens puisque la jeune comédienne est l'un des piliers du collectif La Cave se rebiffe. Ce spectacle a été créé par la compagnie Seine-et-Marnaise Peu importe, il n'est que pour les adultes, enfin pour les plus de 16 ans. Il est joué pour la première fois samedi à la MJC de Noisiel à 20h30. L'entrée est libre et sans complexe. Et c'est sur ces très jolies notes de musique que toute l'équipe vous souhaite un très bon week-end.